on my youngest, some savages running your trap and you up with them packages. Yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo comme d'hab, la customisation des véhicules. Alors là, à première vue, donc j'ai même pas cherché ni rien, je pense que c'est une Lexus FFA, donc vraiment une Lexus de ouf. Bon, ça craint qu'on peut pas la mettre en mode normal parce que... Oh putain, l'autre qui arrive en mode de ouf là, avec ses pneus de ouf. Donc voilà, on est toujours avec Dark Phoenix dans la voiture. Donc là, il y a un milliardaire qui a rejoint, donc j'avais jamais vu son nom. Et Trollzor, donc des nouveaux abonnés apparemment, qui sont dans le Crew White Crew One, en grosse dédicace. Donc Trollzor n'est pas dans le Crew White Crew One, mais tout à l'heure il y était, enfin bizarre, je sais pas. Bon, soit, bon, là on va aller à Custom. Donc Chronos, c'est une marque Porsche en Belgique, donc enfin un groupe Porsche en Belgique. Bizarre ça. Donc je pense que c'est une Lexus, après je ne sais pas, je vous mettrai des photos à l'écran, si c'est pas une Lexus ou c'est une autre marque, vous inquiétez pas. Donc là comme d'hab, on regarde même plus à ça, bon pare-choc, ah c'est la première qui a un pare-choc vraiment. Ouais je la trouve plus belle comme ça, pare-choc arrière, ah ok. Ouais, juste le crochet, t'as pas droit à un autre pare-choc, le crochet. Échappement, donc là un peu plus en mode course, donc ok, donc capot, ok capot, y a pas de but. Donc là on va mettre quoi? On va mettre... Ouais on va mettre celui-là, tu sais à l'époque on mettait tout celui-là. Pas de néon. Donc il y a deux sortes de vinyles, il y a ces deux-là. Alors sérieusement j'hésite à la mettre de base. Mais je ne sais pas, donc on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Rétroviseur, ah ouais ok. Je crois que c'est la deuxième qu'on peut custom les rétros, donc on va mettre des tout petits rétros. Plaque noire, peinture, alors ah là c'est la peinture comme ça, et est-ce que la couleur secondaire s'il vous plaît c'est l'orange, non c'est ça. Bon ça aussi c'est pas mal de customiser ce genre de choses, mais on aurait quand même préféré autre chose tu vois. Bon c'est pas grave, on va mettre quoi en couleur comme ça, donc rouge non, crew ça ressort bien, mais le problème c'est que noir non, crew non, chrome non, chrome ça fait noir, ok. Bon on va mettre, moi j'hésite entre du bleu ou du turquoise tout simplement, j'aurais encore la couleur de crew de l'époque, j'aurais mis du turquoise pour que ça aille avec le turquoise tout simplement, mais je pense qu'on va mettre rouge vraiment vif, genre celui-là, rouge Torino. Et on va mettre l'autre motif alors, tu vois, que ça aille avec, vous voyez, comme ça. On n'a pas le choix, ou pas de motif tout simplement, enfin, attendez, what, quand je mets pas de motif, ça met les phares. Oh, en fait, les phares, en fait, c'est quand il fait noir peut-être, bizarre. Attendez, parce que comme ça, elle est magnifique aussi, hein. y a rien à dire, elle est vraiment magnifique. Putain, tu la mets en noir comme ça, waouh, quoi. Tu la mets en noir comme ça, mais, gros, voilà la caisse, quoi. C'est genre typique ce que Joker il aime bien, tu vois, drifter dans les rues de Forza avec ça, tu sais. Attendez, on va mettre... on va essayer de mettre du rouge ou du mat, hein, du rouge mat, tout simplement, pour voir un peu. Rouge mat, elle est magnifique aussi. Tout rouge, ça fait un peu bizarre aussi. Blanche et rouge, ça fait beau. Noir et rouge, ça fait beau. C'est compliqué, hein, cette voiture-là, elle a l'air belle dans tout. Vraiment belle dans tout, le problème c'est que ben oh, je sais pas mais c'est un peu chiant. Donc, je vais la laisser rouge. Je mets beaucoup de rouge aujourd'hui mais j'aime bien le rouge. Donc là l'aileron, alors là on a l'aileron de série, retirer l'aileron, pas d'aileron, tout simplement. Alors sans aileron elle est pas mal aussi, mais comme c'est une voiture, tu sais, t'as un kit de ouf dessus, ben vaut mieux mettre un aileron. Hein. Et je crois que je vais mettre l'aileron avec les bords rouges. Transmission voilà, turbo voilà. Donc là il n'y a même pas de suspension, hein. Je pense que elle est rabaissée au max, tu vois. Elle est vraiment rabaissée au max de chez Max. Alors les jantes sur cette voiture là, ça doit coûter un pont frérot. Putain, t'as vu les pouces? C'est du 20 pouces. Hein. On va mettre celle-là. C'est bien qu'ils sont unis quand tu mets du noir. Donc là elle est magnifique. Elle est magnifique. Enfin je trouve, hein. Après chacun ses goûts, tu vois, mais moi je la trouve belle. Ça fait vraiment voiture de drift, tu vois. On va retenter avec du... On va remettre genre du motif pour voir. Oh ben, avec le motif là, ça passe encore. Par contre, là, ça passe pas. Mais comme ça, en vrai, ça passe encore, en fait. De base ou avec le motif? De base ou avec le motif? C'est pas du tout.
que de base elle est magnifique avec motif, ça rajoute un petit truc, mais ah je sais pas, je la mets de base. Mais avec le motif elle était belle aussi, mais je la mets de base, tu vois, parce que moi je suis un mec comme ça, j'aime bien mettre les choses de base. Bruit, écoutez-moi ce bruit. Vous entendez le... On dirait genre une RT. Oh là là, et ils ont fait un paquet sur le bruit, hein. Ils ont mis un paquet sur le bruit. Regardez, milliardaire là, il a custom une voiture, lui. Ah, excuse-moi, gros. Par contre, vous remarquez que ces voitures-là coûtent. Enfin, ils avaient abusé à l'époque sur le prix de la TVA. Hein. C'était un truc de ouf quand même. Donc là, on va tester la puissance là. On a quand même une voiture. Donc là, normalement, elle doit drifter, hein, celle-là, parce que c'est vraiment une voiture de drift. J'espère vraiment qu'elle drift, sinon Joker il va pleurer. Donc là, wow, 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 wow. Donc. Alors je sais pas du tout, on va tenter un frein à main. Alors les pneus sont énormes, hein. Les jantes sont énormes. Donc, ouais, là elle drift, elle drift, elle drift. Donc là ils ont pas abusé sur le frein à main, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors elle est encore en super sportive, voilà. Et donc je pense que c'est le Nexus après. C'est peut-être pas le Nexus. Ouf, la chatte. Donc putain de tenue de route, putain pourquoi. Ah ben voilà, en fait elle voulait drifter, tu vois. Elle voulait drifter les gens. C'est tout. Elle voulait drifter la voiture toute seule et elle s'est dit bon je drift. Sous White j'emmerde. Alors on va faire un gros drift. Attention. Oh, il faut quand même appuyer bizarrement. Hein. Vraiment relâcher l'accélérateur. Même pas là. Là j'ai appuyé sur le frein, elle n'a pas drifté. Bizarre. Attendez. Eh, je vous jure, j'appuie sur le frein hein, en tournant d'un coup. Regardez les abonnés qui rejoignent Jupiter Joke maintenant. Bon ben. Je pense que c'est bon. Ah ben le frein là en dessous, ça c'est pas mal. Regardez. Et attendez, la vue intérieure. Oh putain, ça c'est tuant. Vous voyez ce qu'il y a sur le... Ce qu'il y a sur le volant, ça c'est les changements de vitesse. En fait, c'est les tours. Donc quand ça arrive au changement de vitesse, ça devient rouge. C'est comme les Ferrari, les McLaren P1 et tout ça. Il y a ça, c'est vraiment une tuerie. Ça c'est magnifique. Alors là, GTA, il gère trop Ah, il gère trop. Eh mais lui il a une moto d'Harley Davidson. Bâtard, t'as vu combien il me double. What the fuck. Bon, on va aller tester cette moto, bien évidemment. Mais voilà, les gens. Waouh, quoi. Oh, 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 oh. Je passe par ici, j'ai pas que ça à faire. Je suis un gros thug live de la live. Un gros thug live de la live. Je ne sais pas parler, c'est grave. Bon, ben voilà, les gens. Pour cette voiture-là, c'est fini. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez après cet exploit de ma vidéo, tu vois. Non, mais voilà. Donc, moi, je vous laisse et à plus, les gens. Peace! On se retrouve.